Et salut les amis, on se retrouve sur No Man's Sky, et oui, pour un nouveau multi-outil. Voilà, je vous le dis d'entrée. On va voir si vraiment ça fonctionne, à ce que j'ai pu voir. Donc j'ai un code, j'ai réussi à choper un code du coup, et on va faire ça ensemble, tout simplement, et je vais voir si c'est vraiment vrai ou pas. Activer le truc, et on va faire le code. Allez, c'est parti. Hop. Ok, un petit crabe. De l'eau. Deux comme ça. Deux petites montgolfières. Elle est où la petite montgolfière? Montgolfière, t'es où? C'est laquelle? C'est celle-ci avec le petit parachute. Mais pourtant, je suis pas con, pourtant il y en a une, elle est là. Non? C'est celle-ci? Oui, bah c'est une façon que celle-ci. Oui, de toute façon, il n'y a que celle-ci, donc du coup, voilà quoi. Bah donc c'est bon quoi. Il n'y a que celle-ci. Donc du coup, il y en a trois. Il y en a trois. Et là, du coup, on fait un petit chapiteau, c'est celui-là. Là, on a celui-là. Voilà. Et le dernier, qui est celui-là. Voilà. Allez les amis, on va voir si c'est vraiment vrai leur truc. Alors d'après eux, ils pourraient en avoir un dans le... alors, dans la station spéciale, mais alors que je vous fais la vidéo, il y a eu un correctif. Donc il y a eu un correctif sur No Man's Sky. C'est le premier correctif qu'on a eu sur console. Donc du coup, voilà, donc je pense que vous allez l'avoir. Bon, moi je publierai cette vidéo un peu plus tard, donc voilà, vous, c'est sûr et certain vous l'aurez. Mais en tout cas, il y a eu un correctif, peut-être qu'il y aura un correctif peut-être dans le week-end ou quoi, je sais pas. En tout cas, voilà, aujourd'hui on est vendredi. Et du coup, voilà, on va voir si c'est vrai ou pas ce truc-là, quoi. On va voir si c'est vrai, quoi. On prend notre vaisseau. On va à la station spatiale, les amis. On va voir si c'est vrai. Hein. On va voir si c'est vrai. Hein. Si son truc est vrai ou pas. Parce que des fois, il y a des gens qui donnent des mauvais codes et ils donnent des codes et au final, il n'y a rien. Donc voilà, des fois, ça ne fout pas. Est-ce que ça fonctionne pas ou quoi, je sais pas, mais des fois c'est des codes qui fonctionnent pas bien, ou des fois ben voilà. Donc là, et bon, là s'il n'y a pas dedans, il faut aller voir les sentinelles. Je vous ferai un petit montage et vous irez voir les sentinelles, bien évidemment, mais j'irai voir et je ferai un petit montage pour vous le dire dans cette vidéo. Du coup, je découvre en même temps que vous. Allez, j'espère qu'il va y en avoir un. Non, c'est pas de ce côté, Sky. On va aller de l'autre côté. Du coup, hop. Et là, qu'est-ce qu'on a? Non, le multi-outil. Voilà, donc on a celui-là. Donc voilà, c'est un classe B. Voilà, c'est un classe B. Donc voilà. Bon, je vais faire un petit montage, les amis. Je fais un petit montage, je convoque les sentinelles et tout ça, et je vous le dis dans la vidéo s'il y a un multi-outil nouveau dans ce système là. Donc vous avez vu le code portail, n'hésitez pas à le capturer pour venir dans ce système là. Je vous dis à la suite. Du coup les amis, ici vous avez le chemin depuis la station spatiale jusqu'à la planète en question. Vous faites exactement comme moi dans la vidéo, vous faites exactement comme moi. Bon, il y a eu des vaisseaux qui sont arrivés sur moi, mais vous faites exactement pareil comme moi dans la vidéo. Sauf vous aurez peut-être pas le marqueur du truc, parce que moi j'avais un truc dans mon inventaire et je l'ai vu, et puis j'ai analysé, parce que vous pouvez avoir des trucs dans l'inventaire et scanner l'endroit précis des pilleurs. Du coup,
Mais bon, moi je l'ai eu, donc vous, par contre, vous faites vraiment comme moi. De toute façon, c'est sur l'autre planète. Vous faites les coordonnées et puis ça sera bon. À de suite. Et re les amis, du coup j'ai trouvé un module parce que j'avais un truc dans l'inventaire. Et du coup bon, là on arrive, du coup il y a les sentinelles, il y a le truc des sentinelles pour plier les sentinelles. Donc du coup moi, je vais voir s'il y en a et puis on va revenir, je vais faire un autre montage. Et du coup là je vais vous donner des coordonnées. Donc du coup c'est sur une autre planète, je vais vous donner des coordonnées. On va se mettre en vue première personne sur le vaisseau. Et je vais vous donner les coordonnées qui sont tout simplement ici, sur le côté. Moins 65,95 plus 118 moins 7,8. Voilà. Donc voilà les coordonnées du vaisseau et où on est exactement sur cette planète-là. Donc les coordonnées sont très importantes. Si vous ne trouvez pas, bien sûr, mais n'hésitez pas. Hein, vraiment, il faut vraiment suivre dans la vidéo ce que je vais vous mettre et vous allez arriver, bien sûr, au point exact de cette pilier, on va dire ce pilier de raid des sentinelles. Ouais, je vais appeler ça comme ça. Voilà. Du coup, je vous reprends après. Je fais le combat avec les sentinelles parce qu'il va y avoir pour un bon moment. Et je vous redis après s'il y a bien sûr un multi-outil nouveau et tout ça. À de suite. Et re les amis, du coup, j'ai rien fait. J'ai rien pété, je n'ai rien fait actuellement. Là, je suis juste allé au-dessus et je suis allé au petit, vous savez, au petit truc que je vous ai expliqué pour communiquer avec le pilier des sentinelles pour communiquer tout simplement. Et vous faites extraire et vous avez ce nouveau multi-outil. Bon, la classe n'est pas là vraiment parfaite, mais c'est un multi-outil en C. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Voilà, dans ce système-là, avec les coordonnées que je vous ai données. Et après, bien sûr, si vous êtes riche, vous pouvez bien sûr changer la classe et le mettre en C, du moins en S, et puis monter le multi-outil, les emplacements, tout ça. Voilà. Et bien sûr, si j'en trouve un en S, bien, je le prendrai pour moi et je le prendrai pour vous aussi. Mais là, je vous donne ce multi-outil. Donc, voilà, le premier que j'ai pu trouver, malheureusement, c'est en C, comme je vous dis. Voilà. Donc, voilà. Et puis, les deux couleur bleue, donc voilà, voilà. N'hésitez pas à commenter, liker tout ça, partager cette vidéo là. Du coup, moi je vais faire refuser parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Du coup, on va faire se déconnecter. Alors, vous voyez, hein, j'ai rien pété, même les modules ici, j'ai rien fait. Je suis juste venu ici communiquer. J'ai même pas lancé le combat des sentinelles. Donc, est-ce que c'est normal ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Vous venez ici, vous faites. Vous acceptez au nœud et puis voilà. C'est tout. N'hésitez pas à commenter, liker tout ça sur cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.